Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on est dans un décor un peu différent parce qu'on est au Portugal. Puis j'ai juste décidé de faire ça dans un endroit assez simple parce que la vidéo d'aujourd'hui, c'est assez important pour moi. Je pense que ça va pouvoir aider plusieurs personnes dans ma communauté ou sur ma plateforme. Juste pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Et aussi de peur du jugement des autres. Je sais vraiment pas si le son va être idéal dans cette vidéo-là parce que justement on est dans un endroit un peu clos puis ça se fait qu'il y ait des bruits d'oiseaux et tout parce qu'on est dehors. Donc on commence. J'ai à peu près 8 trucs qui sont importants à appliquer. On va commencer par le premier truc qui, pour moi, est extrêmement important. J'ai pas toujours été capable de voir et de réaliser la chance que j'avais quand j'étais plus jeune, mais plus on vieillit, plus on le réalise. Puis si j'avais quelque chose à dire à la personne plus jeune, mais comme à la Béatrice plus jeune, ça serait vraiment que passer du temps avec votre famille, passer du temps avec les gens qui sont proches de vous. Donc c'est ça qu'elle disait. Passez du temps avec les gens de votre famille et les gens qui sont là depuis day one. Et c'est sûr que quand on est plus jeune, on aime ça être avec nos amis, on aime ça être avec notre chum, notre blonde. Mais votre famille, c'est toujours ceux qui seront toujours là pour vous. Je comprends qu'il y a des exceptions, il y a des familles qui ont des gros problèmes aussi. Mais vos parents, là, ils vont tout le temps vous aimer. Ces gens-là vous ont créé, c'est grâce à eux que vous êtes là, puis ils vont toujours être là pour vous supporter, puis pour constituer une bonne base pour vous. Puis moi, j'ai remarqué que quand je me sens plus down, quand je me sens plus triste, passer du temps avec ma famille, ça me fait vraiment oublier ce qui se passe à l'extérieur, puis ça me permet de me grounder et de revenir à mes vraies racines. Prochain tip ou conseil, ça serait de... Ça, c'est vraiment plus difficile pour certaines personnes. Moi, je suis quelqu'un d'assez indépendante, puis j'ai toujours, même si je suis très sociable, j'ai toujours aimé ça, avoir du temps pour moi. Passer du temps avec vous-même. Donc, que ça soit, mais pas juste dans sa chambre, dans son cocon. Oui, ça, c'est bon, mais aussi passer du temps comme aller au restaurant toute seule. Je sais que ça c'est une grosse step, mais une plus petite step que vous pourriez faire avant, c'est admettons que vous allez vous entraîner au gym avec des gens, ou avec une amie, ou avec votre bon chum de boys, ou whatever. Allez au gym avec vous-même. Allez au gym juste toute seule, mettez vos écouteurs, puis préoccupez-vous pas de ce qui se passe autour. Essayez vraiment, vraiment d'être dans votre bulle. D'aller au gym pour vous, pour votre santé et vous sentir bien. Après, tu sais, le feeling d'après un entraînement, je sais que c'est difficile, mais c'est tellement, tellement, tellement le fun après, le sentiment, quand on oublie de penser à ce que les autres pensent de nous, puis on focus juste sur ce que nous, on pense de nous. D'autres steps que vous pouvez faire après le gym, c'est aller au restaurant toute seule, aller au cinéma. Aussi, une autre step que je vous conseillerais de faire si vous aimez faire ces steps-là, c'est de voyager toute seule. Voyager toute seule, c'est, premièrement, c'est une chance incroyable. Mais deuxièmement, ça va vous apprendre et ça va vous ouvrir les yeux sur le monde. Ça va vous apprendre tellement de leçons et ça va vous... Ça va consolider les valeurs que vous avez à l'intérieur de vous. Le troisième tip que je pourrais vous donner, c'est donnez-vous du temps. La confiance en soi, ça ne s'acquiert pas comme ça. C'est un processus qui peut durer toute une vie ou c'est un processus qui peut durer quelques mois, quelques années. Mais ça prend du temps, donc soyez patient avec vous-même. Prenez le temps de vous écouter, puis... prenez le temps aussi de voir les expériences positives et les expériences négatives, comment ça vous aide dans votre vie. C'est ça mon truc pour vous concernant le temps et les expériences. C'est vraiment important de vivre des expériences qui vont vous marquer, que ce soit positivement ou négativement, parce que dans les deux cas, ça va vous faire grandir. Je vais aussi parler de quand
on manque de confiance en soi par rapport à l'école, le travail, peu importe, tu sais, des tâches plus concrètes. Tu sais, surtout les premières entrevues pour des jobs, comme moi, je m'en vais à l'université maintenant, c'est sûr que c'est un grand élément de stress pour moi. Mais une chose que mes parents m'ont vraiment inculquée à travers les années, c'est que quand vous êtes à la veille d'un événement important, d'un examen ou peu importe, c'est tellement important de pratiquer. Et de préparer, pratiquer et mettre l'effort sur tout ce que vous pouvez contrôler. La température, vous ne pouvez pas la contrôler. Fait que ça sert à rien de chialer sur la température. C'est un exemple, mais parce qu'on vit au Québec, je sais que c'est pas le climat le plus facile. Mais vraiment, c'est ça de mettre l'accent puis mettre tous vos efforts sur les choses que vous pouvez contrôler. Et ça, c'est pratiquer. Et tu sais, si vous allez à une entrevue, là, faut que vous sachiez que vous arrivez là préparé. Et ça va vous donner tellement, tellement, tellement de confiance en vous, je vous assure. Si vous avez pratiqué, là, c'est sûr qu'il y aura tout le temps un peu d'adrénaline, un peu de stress. Mais si vous avez pratiqué, là, ça va tellement mieux aller. Si vous êtes confiant en ce que vous êtes et ce que vous valez, ça va vraiment bien aller, je vous assure. Donc, pratiquez et préparez-vous pour vos examens. Puis même si vous coulez un examen ou vous n'avez pas la job, au moins vous allez savoir que vous avez fait le mieux de ce que vous pouviez. Et ça, c'est ce qui est le plus important pour des événements comme ça. C'est vraiment ça qui est important, à savoir c'est fait de votre mieux. Parce que c'est là après que le servicieux de si on n'a pas fait notre mieux, là on l'a pas, là on culpabilise, puis pas de la merde, on se cale vers le bas nous-mêmes. Pratiquez, préparez-vous pour vos événements, pour vos examens, pour vos jobs. C'est super important et ça va vous donner vraiment beaucoup plus de confiance en vous. Il n'y a personne dans ce monde, personne, 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 personne qui est aimé par tout le monde. Embrace diversity. Embrace change, embrace failure. Excusez, c'est en anglais, mais tu sais, c'est tellement comme ça. Pour moi, ça se dit mieux en anglais, mais j'ai essayé de le traduire du mieux que je peux. Profiter de la diversité. Être différent, c'est ce qui nous rend spéciaux, c'est ce qui nous rend unique. On a besoin de la diversité. Imaginez-vous si tout le monde était pareil, si tout le monde s'aimait. Il n'y aurait pas de challenge, il n'y aurait pas d'évolution. Ça serait tout le temps stagnant. Et l'humain n'est pas fait pour ça. L'humain est unique et il faut justement aimer cette unité, aimer la diversité, aimer le fait que c'est pas tout le monde qui vous aime, mais aimer aussi le fait que ceux qui vous aiment, ils vous aiment beaucoup. Et que vous non plus, vous n'aimerez, vous n'allez pas aimer tout le monde, c'est normal. Mais sachez que c'est une réalité et que ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc ça vient avec ce que j'ai dit avant. Ça, vous ne pouvez pas le contrôler du tout, du tout, du tout. Donc, focussez sur ce que vous pouvez contrôler. Focussez sur les gens qui vous aiment et que vous sachez qu'ils vous aiment. Et entretenez des bonnes relations avec ces personnes-là. Si vous vous sentez mal par rapport à votre corps, par rapport à votre santé, c'est facile de rester dans notre lit et de dire « Oh, je me sens grosse. Oh, je me sens... Tu l'aides aujourd'hui. Oh, je... » Par exemple, si vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, allez dehors. Faites juste commencer par prendre une marche, faire un tour de vélo. Juste ça, 10 minutes de yoga le matin, ça fait tellement de grosses différences, là, vous n'avez pas idée. C'est dur des fois de s'entraîner ou c'est dur de réduire nos desserts ou réduire le café ou peu importe. Prenez en charge ce que vous voulez changer. Parce que c'est pas en vous plaignant, c'est pas non plus en regardant ce que les autres font que vous allez changer. Puis des petites étapes, des petites steps, une à la fois, c'est ça qui est important pour vraiment changer quelque chose. Puis quand vous allez voir un changement, puis vous allez faire « Aïe, c'est moi qui ai fait ce changement-là », ça va vous donner un boost d'énergie, un boost de confiance, puis ça va vous motiver à continuer. Votre cercle d'amis, je sais que c'est super, super, super important. C'est important pour tout le monde, mes amis. Filtrez-le. Filtrez-le le plus souvent possible. C'est pas parce que des personnes sont dans votre vie depuis longtemps que
un jour ça va pas clasher, puis un jour vous allez pas aïe, je parle comme si je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. C'est ça, vos amis, c'est important d'avoir des amis, mais c'est tellement important d'avoir des bons amis. Parce qu'honnêtement, les gens avec qui vous vous entourez, ça va devenir un peu votre vibe, ça va devenir ce que vous vivez au quotidien, votre mood aussi. Si ces gens-là ont un effet négatif ou si ces gens-là vous jugent, ces gens-là rient de vous, ces gens-là vous empêchent d'évoluer puis vous empêchent d'avancer à place de vous encourager à avancer puis être la meilleure version de vous-même, ça va juste vous bring down, ça va juste vous caler vers le bas. Et ça, on n'en a pas besoin, on n'a pas le temps pour ça, honnêtement. Des fois, il va arriver des opportunités que vous allez trouver awesome, que vous allez trouver positive, tellement cool, puis là, vous allez vouloir aller dire à vos amis, puis vos amis, ils vont soit juger, ils vont soit être jaloux, soit essayer de faire la même chose, soit essayer de prendre votre place. Ça, c'est pas des amis. C'est vraiment pas des amis. 3 vrais amis, c'est mieux que 10 ou 12 amis qui sont fake. C'est vraiment important d'être vrai avec vous-même et vrai avec ceux qui vous entourent. Quand vous sentez mal, quand vous avez besoin d'aide, de conseils, de réconfort, c'est là que vous allez voir si c'est les vraies personnes qui sont là pour vous et qui vous aiment pour qui vous êtes. Ça l'aide pour la confiance en soi beaucoup, 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 mais ça l'aide aussi pour la peur du jugement des autres et etc. Parce que des fois, vos amis, c'est ceux qui vous jugent le plus. Puis quand vous le réalisez, ça fait vraiment mal. C'est à ce point-là ou à ce temps-là que vous devez les enlever de votre vie et continuer, move on. C'est sûr que ça va être un deuil comme n'importe quelle autre séparation dans la vie, mais c'est important de le faire. Mon dernier conseil, c'est vraiment stay true to yourself. Restez vrai avec vous-même. Sachez et believe in your roots, donc croyez en vos racines, en ce que vous êtes, en vos valeurs familiales, les valeurs avec lesquelles vous avez grandi. Si vous restez vrai envers vos valeurs et ce que vous êtes confortable, les gens qui vont venir vous entourer, ça va être les gens qui ont les mêmes valeurs, les gens qui veulent les mêmes choses dans la vie, les gens qui vont vous appuyer, puis vous allez les appuyer aussi. Les gens qui ont des vibes positives vont attirer les autres gens qui ont des vibes positives aussi. C'est comme un aimant, là, ça s'attracte, ça se sent, ça se vit, c'est fou, c'est tellement... Un exemple, là, c'est Rio. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du carnaval de Rio. Ces gens-là, à ce moment-là, ou comme les festivals de musique aussi, ces gens-là, à ce moment-là, se réunissent tous pour vivre quelque chose d'épique, vivre quelque chose de wow, de vivant, de coloré. Puis ça, c'est dans la vie aussi que ça fonctionne comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui projette du bonheur, de la joie, puis quelque chose de positif, vous allez trouver des personnes aussi qui sont positives pour vous. Si vous sentez dans votre gut, tu sais, des fois, on est à la veille de faire quelque chose, puis on a comme ce feeling de « Ouf, je devrais-tu vraiment faire ça? C'est-tu vraiment correct? » Moi, ça m'est arrivé souvent au primaire, j'étais amie avec plusieurs personnes, mais des fois, j'étais comme « C'est quoi ce feeling-là bizarre, genre? » Puis là, je faisais l'action ou peu importe. Puis après, soit je le regrettais ou je me sentais comme gênée. Mais ça va vous arriver toute votre vie, que votre cerveau, votre cœur, votre corps va vous le dire que vous devriez peut-être pas faire ça. Puis pensez-y plusieurs fois avant de le faire. Si vous avez ce feeling-là à propos d'une personne, d'un événement ou de quelque chose que vous allez faire, faites-le pas. Donc, suivez ce que vous croyez, puis suivez vos valeurs personnelles. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que c'était une vidéo plus formelle. Les prochaines vidéos vont être plus joyeux. Je vais vous montrer aussi un peu plus du Portugal. Je vais vous donner une petite référence. Amélie Riendeau, je vais laisser son Instagram ici ou ici, en tout cas dans la barre d'infos aussi. Amélie Riendeau, c'est une personne extraordinaire que j'ai connue grâce à Instagram. Elle a commencé à faire plus justement des conférences puis de public speaking pour la confiance en soi. Je sais que moi, si c'était pas très organisé, très clair, j'ai essayé vraiment de vous donner le plus de ce que je pense sur ce sujet-là, mais on pourra en parler pendant des jours, des semaines, des mois. Si vous voulez des conseils, allez lui écrire, elle est super bonne, vous pouvez m'écrire à moi aussi, c'est sûr.
Mais allez lui écrire, c'est une fille en or, sérieusement. Voilà pour ma vidéo cette semaine. Merci de vous abonner. La chaîne grandit beaucoup, beaucoup dans les deux dernières semaines. J'en suis tellement reconnaissante. Venez m'écrire sur Instagram, dites-moi ce que vous aimeriez voir comme vidéo au Portugal. Je suis ici encore pendant 2-3 semaines. Merci et à la prochaine. J'espère que vous allez passer une super de belle journée, un super bel été parce que vous le méritez. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bye!